Chez Bricoségam, vous avez l'avantage d'avoir une machine à teinter qui vous permet justement de faire quelle que soit la couleur demandée. Je suis en teinte pastel et ces teintes sont gratuites chez Bricoségam. Donc en 5-10 minutes, le client choisit sa couleur et repart avec le pot. Chez Bricoségam, dans la gamme Azurel, vous trouvez de tout dans la gamme peinture. Alors ça part bien sûr de tout support, donc du béton, du bois, du fer, mais aussi du galvanisé, du fixateur. Ça parle de la finition et aussi du lasure, parce que souvent les gens, surtout en Martinique, aiment beaucoup le lasure, dans le sens qu'ils veulent voir toujours les veines du bois. Mais nous avons aussi du vernis et nous avons des gammes bien spécifiques. Concernant les cuisines salle de bain, donc dans la gamme du luxe Valentine, la personne qui met ce genre de peinture dans sa cuisine ou encore dans sa salle de bain, c'est une peinture qui est lavable et lessivable et vraiment qui a un bon pouvoir couvrant et des couleurs magnifiques. Nous avons bien sûr tout ce qui est fer, tout ce qui est acier à peindre. Donc la gamme Azurel a l'anti-rouille, que ce soit en rouge, en gris et en blanc. Donc ce sont des couleurs justement qu'elle peut trouver et peindre en deux couches bien sûr tout ce qui est fer et tout ce qui est acier. Et c'est une peinture glycérophtallée. Concernant le bois, il est primordial de passer un primaire universel. Entre guillemets, ça peut être dit comme un fixateur. Dans le sens, ça veut dire que ça va empêcher au tanin du bois de remonter. Quand un client veut garder l'aspect du bois, donc veut voir les veines du bois, le meilleur type de peinture, ce n'est pas une peinture, c'est une lasure, donc qui permet de traiter le bois, mais aussi de teinter le bois, selon la couleur bien sûr choisie, et qui permet de voir les veines du bois. Donc ça se met surtout sous le faux plafond, sous les volets, sous les portes. Chaque enduit, bien sûr, est adapté à un besoin spécifique, intérieur ou extérieur. La gamme Murex qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est fait pour l'extérieur, c'est un enduit qui est fait pour l'extérieur à base de résine. Donc c'est très intéressant d'ouvrir les fissures et de bien sûr ratisser avec et d'attendre bien sûr que ce soit sec pour poncer et bien sûr mettre un fixateur et une finition par-dessus.